Monsieur, Madame Branqué. Des coups de mari, il faut dire que elle n'a rien à lui envier sur le plan du gabarit. Elle est elle-même très grande. Vous voyez comme elle 0-15. Distribue très très bien. Ah ouais, pas gêné non plus par la mise en jeu. Voilà, c'est des frappes comme cela qui va. Voilà. Ça c'est les séquences habituelles. Ni l'un ni l'autre n'avait manifesté ou contesté, mais il a estimé que son juge de ligne s'était trompé. Oui, ça a tapé deux fois, avantage, bien sûr. Madame Bradley. Ordinaire entre Agassi, Sampras, Courrier et bien d'autres. Et Thierry Gardiola. Qui a remporté le tournoi en battant quand même Sampras et Agassi en deux jours. Voilà. Ça semble revenir et tant mieux. En tout cas, une position très avancée pour retourner de Marie à l'intérieur du cours. Oh, c'est sur la ligne. Elle a enlevé sa raquette, Nicole Bradke, mais enfin, de là, on a l'impression que c'est sur la ligne. En plus, l'arbitre de ligne a confirmé ça. Alors Fabrice Chouquet descend une nouvelle fois. Et oui, ça touche la ligne, ça touche la ligne apparemment. Point raccroché grâce à son courage et à une nouvelle fois. Elle est terriblement dans le cours, vous voyez. Elle veut prendre l'initiative. Là, elle s'est rassurée sur les deux. Tout à l'heure, elle avait croisé, cette fois, elle décroise cette question. On peut appeler ça comment c'est pas. C'est beau, c'est magnifique. Très très bien masqué au départ, la même préparation, mais blocage, on passe sous la balle et on remonte le poignet. Remarquablement exécuté, alors là c'est super. Là c'est parti, je peux vous dire pour Marie. Elle est dans le rythme, elle est dans le match. Magnifique. Ces joueurs, notamment en Australie, sur Simon. Le rebound ace. Oui. Avec le plus dans son replacement, là. Voilà, elle est battue finalement, Marie, avec... Ouh, elle est bonne. Ça aussi, c'est bien, Marie. Enfin, elle mène 5 heures. Hein. C'est vrai. Ouais, elle a réussi. Sur la ligne. Pas la première. Avant. Pour l'Australienne cette fois, oui. Égalité. Ah.
pas de cadeau. C'est faute. Mais première manche, mademoiselle Béa. Première manche pour la Française. On a un peu plus d'une demi-heure. 6-1. Alors, est-ce que ça va être la copie conforme de ce qui s'est passé l'année dernière? On vous rappelle que Marie avait battu la même adversaire au premier tour. 6-1, 6-0. Ah oui, c'est sûr. Les joueurs et les joueuses, alors encore plus peut-être, n'oubliez rien. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire Marie, là. Un rétro. Oui, elle tire pas trop mal. Elle a voulu attirer, en fait, Nicole Bracke. Monsieur, Madame Bracke. Et Catherine mène 6-4, 5-1 dans le deuxième set. Ah ouais, elle a réussi bien encore une fois ce coup droit. Bien évidemment, puisqu'il est gaucher. C'est le changement de rythme, hein. C'est la façon de déséquilibrer une défense. Voilà, deux points exceptionnels là. La cadence est rude. Ah oui, bonne cadence encore une fois. 40-15. J'aime mademoiselle Pierce. Deux jeux partout. Au cours de la saison 93. J'ai mademoiselle Pierre. Quel angle vous trouvez là en retour avec ce revers et Marie qui prend. Communication, souvent ça permet de se relancer, de refixer ses objectifs. Ça l'a bien réussi. Jolie attitude de Marie Pierre ce moment façon, qui joue des coups droits. De cette façon, Anaïs. Ah ben, relayé. Daniel. Ah oui. J'ai mademoiselle Pierre. Une première frappe pour... Voilà, c'est réglé. Oh, elle est soulagée, Marie. C'est du travail bien fait. C'était pas évident pour elle de rentrer dans ce tournoi, de revenir un an après ses exploits sur ce central. Victoire logique. De Marie Pierce, 6-1, 6-3, un début de match un peu crispé, un peu difficile. Et après, eh bien, ça s'est déroulé de la meilleure des façons. Il y a eu deux, trois petits moments de flottement, mais on sentait qu'il y avait là quand même une marge de manœuvre facile.